La première des choses quand on veut aimer sa vie, quand on veut pas avoir le sentiment de vivre à côté de ses aspirations, de ses valeurs, c'est de se rappeler une chose. La recherche démontre que nous vivons en moyenne 30 000 matins. Vous avez 30 000 matins depuis votre naissance à vivre. 30 000 matins, pas 2 millions, 30 000. Combien de matins il vous reste à vivre? Et ça, je sais que je suis rude, mais n'oubliez jamais ici que on n'a qu'une vie ici sur Terre et qu'elle est courte et qu'elle est courte et que ces 30 000 matins, libre à vous d'en faire ce que vous voulez et chaque matinée, vous décidez. La deuxième des choses, c'est un peu rude hein, ce que je dis. Ah, mais c'est très vrai. Non, ça fait réfléchir à vos têtes. Mais la deuxième des choses, c'est que ça suffit maintenant, basta de se comparer sans arrêt aux autres. La vie est dure. À quoi vous la comparez? Cessez de vous comparer au voisin. Le voisin, l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais ça n'a rien à voir. L'herbe est différente. Cessez de vous comparer aux autres en permanence. Ça, c'est la clé numéro 2. Clé numéro 3, s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Prenez plus de décisions. Mais de vraies décisions. 80% des actions, des états que nous vivons chaque jour sont en fonction de décisions d'une tierce personne. Ça veut dire... Vrai ou faux? Oui. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter votre degré de bonheur, il va falloir augmenter votre degré de prise de décision. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas si c'est vous dans le couple qui portez plus de choses sur les épaules ou pas. Mon point n'est pas là. C'est que si vous décidez plus régulièrement, même de petites décisions, je veux manger dans ce restaurant, je veux décider ce que je vais faire cet après-midi, je veux décider ce que je vais penser, ce que je vais croire, ce que je vais voir, qui je vais être dans 5 ans, pas qui je voudrais être, mais qui je vais être dans 5 ans. Et je sais que je vais prendre des décisions pour devenir l'homme et la femme que je veux devenir dans 5 ans. Prenez plus de décisions. Peu de gens font ça. Peu de gens font ça. Il y a une autre astuce, tu vas l'aimer celle-là, tu vas l'adorer. Ça, tu le fais, je te connais, tu le fais. C'est, écoutez-moi bien, ça là, c'est du bonbon. Anticiper les joies à venir. Anticiper les joies futures. Je vous donne un exemple. Ça touche tout le monde. Vous êtes dans les embouteillages. Et là, ça va pas du tout. Et là, tu es dans les embouteillages, j'étais à rendez-vous, il t'en peut plus. Oui ou non? On connaît ça, moi. Vous êtes dans une réunion de travail, c'est terrible, j'aime pas être ici. Anticiper les joies, la joie future de vous dire dans 2 heures je serai à la maison avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe. Dans 2 heures je pourrai prendre un bon bain. Et tentez de ressentir ce que vous allez vivre. Tentez d'apprécier, de respirer comme vous respiriez à ce moment-là face à vos enfants, vos partenaires, les gens que vous aimez. Anticipez les joies à venir dans un moment de galère, de trouble et de tension. Ça, c'est du bonbon.